Tac. Alors, bon. Alors, il y en a un qui m'a demandé si j'ai déjà essayé Apex. Alors, je sais pas qui c'est qui m'a demandé si j'ai essayé Apex. Alors j'ai vu là sur mon... Tout à l'heure quand j'ai diffusé ce que j'avais ma caméra, je sais pas pourquoi elle n'a pas fonctionné. Si j'ai déjà essayé Apex, bah ouais. Je sais pas qui c'est qui m'a posé la question d'ailleurs. Je sais pas qui c'est qui m'a posé la question. Mais oui. J'ai joué encore... bah j'ai joué pas plus tard que tout à l'heure. Ouais, ma caméra elle a pas fonctionné. C'est pas souvent que ça lui arrive, mais bon, quand ça lui arrive, pas souvent.
Bon. Après que quand mon téléphone sera chargé à 100%, je verrai faire ce que j'ai fait un peu tard là, de Mais normalement, ceux qui me regardent sur Periscope, si là il y en a qui me regardent, normalement, quand ils mettent un message sur Periscope, je le vois sur Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que je le vois sur Twitch. Qui est assez surprenant. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai vu ça avant-hier. J'ai dit, tiens, ça m'a marqué entre parenthèses Periscope. La réponse du gars, et c'est là où j'ai vu que apparemment les messages de Periscope pouvaient être. C'est là où j'ai vu que les messages de Periscope passaient par Twitch. Alors, si bizarre que ça puisse paraître, j'ai pas trop bien compris le truc, hein, mais bon, c'est. Apparemment, ça passe par Twitch. Mais c'est bien le truc que j'ai fait là, de Periscope, là, c'est bien. Là, apparemment, là, tout à l'heure, je vais essayer de faire un truc. Apparemment, on peut rajouter des personnes au téléphone, comme si on était au téléphone. Bon, après, faut pas le faire avec n'importe qui. Hein. Après, faut le faire avec des personnes qui. Sympa, quoi. Faut pas non plus trop le faire avec n'importe qui, quoi. Non, mais c'est sympathique, hein. Faut sympatoche, quoi. Je pense qu'il faut pas non plus le faire trop de fois parce que après ouais, c'est parce que le téléphone la batterie elle se charge pas quand je fais ça. Bon, elle se charge pas non plus hyper vite mais elle se charge pas non plus donc faut faire gaffe aussi avec ça. Faut faire gaffe aussi avec ça. Parce que la batterie bon Non, faut faire ça une petite demi-heure, 1 heure et c'est bon quoi, une petite demi-heure et puis voilà comme une heure de faut faire à peu près 1 heure, faut pas rester trop longtemps quoi, faut faire à peu près 1 heure quoi. Faut pas rester trop longtemps quoi. 1 heure ça suffit amplement quoi, ça suffit amplement. Pas la peine d'y rester 3 points quoi. En 1 heure avec un peu de chance, tu peux tomber sur les gens bien, sur les gens corrects. Alors, qu'est-ce que ça a changé leur truc de 800, 600 machin? World Cup. Il y a une mise à jour de 600 MMO juste pour la World Cup. C'est ça la World Cup là que. C'est ça la World Cup là que soi-disant tu te gagnes de l'argent, je sais pas quoi. Enfin, soi-disant. J'avais pas vérifié, mais soi-disant. C'est là où les gamins ils disent C'est là où les gamins ils disent C'est là où les gamins ils disent ouais on va gagner de l'argent etc etc Ouais, gagner de l'argent mais y en a qui y croient en plus, c'est ça le pire. Il y en a qui y croient. C'est le pire.
Ah, mais je commençais à en avoir tout à l'heure des mecs hein, qui venaient me refroidir. Évidemment, faut pas être. Il faut pas être trop impatient, mais bon. Non, je pense que sur Periscope, une petite heure de Periscope, c'est bon quoi. En une heure, si t'as un peu de chance, tu peux tomber sur les gens corrects. Hein. Tu peux tomber sur les gens corrects. Tu peux tomber sur les gens corrects. Ils sont là juste pour parler, pour passer un petit moment, et puis voilà quoi. Y a pas d'embrouille, pas de. Bon après hein, sur le Periscope comme un peu pour tout hein, t'as le bon et le mauvais côté hein. Mais bon, je préfère voir le bon côté que le mauvais quoi. C'est comme Mixer et Twitch, c'est pareil hein, Mixer et Twitch hein, t'as le bon et t'as le mauvais côté hein. Mixer et Twitch hein, c'est. Le bon côté, on va dire, c'est tu peux tomber sur des streamers sympas, etc. Qui te font pas des qui te prennent pas dans le dos à la première occasion. Par contre, le mauvais côté, bah le mauvais côté, par contre, hein, c'est bah mauvais côté quoi. Et bien... C'est pour ça que je préfère avoir le bon côté que le mauvais. Mais ça, ils sont sérieux avec leur World Cup là. Ça c'est un truc que je comprends jamais ça. Ça c'est un truc qui m'échappe, je comprends jamais ça. Je comprends jamais que les gamins ils sont aussi naïfs que ça pour croire à des conneries pareilles. M'échappe ça. M'échappe. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Mais bon. C'est pareil hein, sur Mixer hein, c'est sur Periscope j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de j'ai l'impression que sur Periscope il y a pas mal de drogués de c'est triste hein. C'est triste Mixer pas mieux non plus hein. Mixer quand tu vois des mecs qui fument avec leur espèce de cigarette électronique j'aimerais pas savoir ce qu'il y a dedans. J'aimerais pas savoir ce qu'il y a dedans. J'aimerais pas savoir ce qu'il y a dedans. Eux ils vont prétendre qu'il y a. Eux ils vont prétendre qu'il y a du tabac, mais. Je prendrai pas le risque de. Je prendrai pas le risque de. Je prendrai pas le risque de. D'aspirer pour voir si c'est. Pour voir si c'est là-bas. Je prendrai pas le risque. Hein. À mon avis, ça doit être tout sauf du tabac. Parce que le joint, enfin, le joint de machin, c'est ça fait quand même de la fumée. Hein. Ça fait quand même de la fumée. Hein. Donc, je pense que. Après j'admire ceux qui. Après j'admire ceux qui ont. Ceux qui reconnaissent qu'ils fument du joint, hein. J'admire. Je ferais peut-être pas la même chose qu'eux, mais. Mais j'admire qu'ils reconnaissent qu'ils fument quoi. Qu'ils fument des joints quoi. C'est. Moi pas sûr que je le ferais, mais bon. Après.
Après, c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Après, bon, voilà. Pas sûr que moi j'aurais le courage de le faire, mais bon. Pas sûr que je le ferai en public sur. Que ce soit Periscope ou n'importe quelle plateforme. Pas sûr que je le ferai. Pas sûr que je le ferai en public. Pas sûr quoi. Mais bon, si là ils le font, hein. S'ils ont le courage de le faire, tant mieux. Hein. Non, moi non. Non. Pareil sur Mixer, quand on voit qu'ils fument avec leur cigarette électronique, j'en voyais pendant un moment fumer avec leur cigarette électronique. C'est vrai que là, depuis un petit peu, j'en vois plus. Enfin, j'en vois plus. Comme je regarde plus personne diffuser ce Mixer, à vrai dire, c'est un peu normal que je. C'est un peu normal que j'en vois plus. Mais. En fait, pas besoin de le regarder diffuser, hein. T'as juste à voir l'image de leur diffusion, un bref aperçu, et quand tu vois qu'ils fument leur clope quand tu vois qu'ils fument leur clope électronique. Bah. Dans mon lycée, moi j'en avais un, il s'appelait Sébastien Jalbourg. D'ailleurs, on l'appelait Obédo, d'ailleurs. Bah. Sébastien Ojalbo, bah, Obédo, comment on l'appelait, bah. Il se fumait son joint. Il se fumait sa barrette de bœuf tous les jours, enfin, bref. Mais bon, vers la fin, moi, quand j'ai quitté le lycée, il s'était enfin rendu compte par lui-même tout seul que. Qui se flinguait la santé à petit feu et puis qui allait quand même arrêter parce que je sais que quand moi je suis parti de Marc aussi, il avait dit non, moi il faut que je fasse gaffe, il faut pas que je fasse le con là, parce que je suis en train de flinguer ma santé. Il s'était quand même rendu compte qu'il faisait quand même une belle connerie quand même. Une belle connerie. Mais c'est bien, hein, c'est ce genre de personne qui reconnaît qu'ils font une erreur, c'est bien, hein, c'est bien. C'est au moins ils savent qu'ils font une connerie, ils arrêtent. Hein. Il y en a pas le cas quoi. En plus, il était pas vieux, hein. Il était plus jeune que moi, je crois, il devait avoir 24 ans, c'est comme ça. Puis il était pas vieux, en plus, hein, il était pas vieux. D'ailleurs, c'est lui qui disait à des jeunes quand il croisait dans le lycée, qu'il voulait s'essayer à la cigarette, il allait les voir et il disait non, faites pas la même connerie que moi, touchez pas à ça. Bah, en fait, il faisait ce que faisait Bob Marley, quoi, pareil. Sauf que Bob Marley, bah, il s'est pris tard, quoi, très tard. Bah, à la fin de sa vie, quand il lui restait quelques années à vivre, il a fait une association pour les. Là-bas en Jamaïque, pour ceux qui se droguent, etc., il a lutté contre ça, mais trop tard, quoi. Sauf que Sébastien de Marc aussi, lui, quand il voyait un gamin qui prenait la cigarette, il lui prenait la cigarette des mains, et puis, hop, il le foutait à la poubelle, il dit non, ça c'est de la cochonnerie, etc., quoi. Non, c'était un mec bien ce Sébastien Gelbo. C'était un mec bien. Bon, je sais pas ce qu'il est devenu, mais c'était un mec bien. Et même quand moi j'étais à Marcoussi qui fumait son bédo tous les matins, son joint, son je sais pas quoi, il savait que moi j'en fumais pas. Il m'a jamais incité à le faire, il m'a jamais dit tiens bah prends-en un, tu vas voir, c'est bien. Non, il m'a jamais
Il m'a jamais obligé à faire quoi que ce soit, il m'a jamais incité à faire quoi que ce soit. Non. Au contraire, il est à ce niveau-là. À ce niveau-là, il respectait ceux qui. À ce niveau-là, il respectait ceux qui fumaient pas, quoi. Et ça c'était bien ça. Il en avait par contre, c'était tout le contraire. Il allait voir les gamins, il disait, oh, tiens, tu veux pas fumer un joint, un pet? Ça par contre, c'était pas. C'est pas parce que toi tu fumes, que toi tu bougies ta santé, que tu dois faire ça, que tu dois faire super la même chose à des gamins, quoi. Les gamins, ils ont pas besoin de. Ils ont pas besoin de se plaguer en santé pour. Bah pour ça, quoi. Mais c'est vrai que des fois, ce que je vois sur Periscope, je me dis. Fois, je me dis. Des fois, je me dis, c'est chaud, hein, des fois. Ouais. Des fois, ce que je vois, c'est pas piqué des hannetons. C'est pas piqué des hannetons. Mais le pire, c'est que ce mixeur, Twitch, je pense pas. Mais Twitch, je pense pas parce que Twitch, à ce niveau-là, je pense qu'ils sont beaucoup plus sévères que les mixeurs. Je pense que Twitch est beaucoup plus sévère que les mixeurs à ce niveau-là. Mais je pense que Mixer, vu à la vitesse où vont les choses, un jour on sera bien capable d'avoir un gars en train de s'expliquer devant la caméra, quoi. Bah, vu à la vitesse où vont les choses, malheureusement, ça risque d'en arriver à là, quoi. Puis Mixer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, pas grand chose, hein. Bah, déjà qu'ils font pas grand chose en temps normal, alors. Déjà qu'ils font pas grand chose en temps normal, alors. C'est pas pour faire quelque chose là, hein. Non, ou alors ils vont dire, ah bah il faut nous signaler quand vous voyez ça. Bien sûr. Signaler, mais pour avoir quoi à la fin? Rien. Certes, on peut signaler, certes. Mais bon. Il faut que ça serve à quelque chose de signaler, il faut qu'il y ait un impact. Quelque chose. Quel impact il va y avoir? Alors ça, c'est un mec qui essaye de viser avec son sniper, mais qui n'est pas capable de viser. Remarque, ça m'arrange. Ça m'arrange. Remarque, ça m'arrange. Ça m'arrange. Ah, j'espère qu'il y en a qui sont pas en train de m'envoyer des messages sur Periscope que je vois pas. Parce que je sais que la dernière fois j'en ai vu deux. Ça m'a entre parenthèses ça m'avait marqué entre parenthèses Periscope le nom du mec et les messages qu'il m'avait mis. Alors j'espère que ça le fait pour tout le monde, que ça le fait pas pour quelques-uns et pas pour les autres. Parce que si je réponds pas, c'est que je vois pas vos messages. Et comme je passe par SpeechChat et que bah voilà. Donc je pourrais mettre Restream, hein, je pourrais mettre l'application Restream, hein, le truc je dirais Restream, mais bon. Je pourrais le faire.
Voilà. Bon, je vais peut-être pas faire un top 10, mais si, peut-être. T'as dit, peut-être. Peut-être un top 10. Tout à l'heure sur Apex. Tout à l'heure sur Apex, j'étais en forme, d'ailleurs. J'étais en forme. Là, j'ai tué deux gars en même temps dans la même partie, quoi. J'étais en forme. J'étais en forme. Mais à mon avis, ça arrive jamais. Bizarrement, ça arrive jamais souvent, ça. Enfin, quand j'arrive à en tuer deux d'affilée comme ça, d'un coup comme ça, généralement, soit c'est un coup de bol ou. Soit c'est un coup de bol ou. Attends, mais. Oh là là. Non, mais fusil à pompe contre mitraillette, c'est la mitraillette qui gagne. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Oula, c'est quoi ça? Ouja. Attendez. Alors, comme je le disais au sujet de. Comme je disais au sujet de. Periscope, il y en a une là. Bon, elle m'a pas regardé ma diffusion, donc je peux le dire. Il y en a une, Oujdina, je sais pas quoi.
Je rejoins sa diffusion parce que bon, je me suis abonné à elle. Et bon, je me suis abonné à elle et puis D'accord, ok. Elle m'a bloqué. Bon. Cherchons pas à comprendre, ça vaut mieux. Cherchons pas à comprendre, ça vaut mieux. L'autre, il me voit, il me dit, il me bloque-le. Ah bon? Et je peux savoir ce que j'ai fait. Ah bon, pareil, hein, je suis pas raciste, hein, mais je suis pas raciste, hein, mais en parlant grossièrement, un arabe qui bagne un français, qui bloque un français ou une arabe, hein, pareil. Et après, c'est nous les Français qu'on traite de racistes. Moi, j'ai rien contre ces personnes-là. Moi, je parle avec tout le monde. Hein, je suis pas raciste. Hein, je parle avec tout le monde. Hein. Je sais que sur Periscope, il y a pas que des Français. Il y a des Belges, des Suisses. Enfin, des Belges. J'ai pas encore vu de Suisses. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Hein, si le mec il est correct, il peut être arabe, il peut être russe, il peut être polonais. Si le mec il est correct avec moi, qu'il est respecté vis-à-vis de moi et que je suis assez, et que voilà, qu'il n'y a pas de problème. Au pire, sa nationalité, enfin moi je m'en fous. Quoi. Il peut avoir toute la nationalité qu'il veut. S'il est correct avec moi, ça me dérange pas. Quoi. Mais là, bon. Alors pour ça que je dis, c'est un peu facile de nous traiter de racistes, les Français. Hein, mais je pense qu'il y a des racistes dans l'histoire, hein, c'est pas nous. Hein. Après. Moi je rejoins sa diffusion, je me salue, le mec qui me voit, il me dit le mec qui me voit, il me dit ouais, il me dit ouais, bloque-le. Ok, d'accord. Je vais bien ça pourquoi j'ai bloqué d'ailleurs, pourquoi il m'a bloqué d'ailleurs. Ok, d'accord. Il y a des choses comme ça qui me dépassent totalement. Moi je parle avec tout le monde, hein, je m'en fous totalement de la... Il peut être russe, polonais, même grec. Je m'en fous, je parle avec quoi. J'ai pas de. Je suis pas raciste, pas... j'ai pas de problème avec ça quoi. J'ai pas de problème avec ça quoi. Dire, hein, tu peux même être japonais. Tu peux même être japonais et avoir la même physique que moi. Du moment que tu me respectes, que je te respecte, qu'il y a pas de malaise, je vois pas ce qui nous empêcherait de juste parler. Hein. Je vois pas, mais bon, apparemment sur Periscope, ça marche pas comme ça, apparemment. On va pas se prendre la tête, hein, ça sert à rien. On va pas se prendre la tête. Pour des bêtises pareilles. C'est comme tout à l'heure, j'ai vu une noire. Il y en a un qui lui a dit sur le chat, répond espèce de singe. Ouais. Ça c'est pas très correct. La fille elle a pas eu. Elle a... Moi j'aurais été que la fille. J'aurais même pas bloqué ce mec là, je l'aurais ignoré. Parce que face à des gens comme ça, faut. Les bloquer, c'est. Non, faut les ignorer. Il faut passer au-dessus quoi. C'est un propos qui est fait pour. C'est pareil un peu ce mixeur. Hein. C'est des propos. Il dit ça pour te provoquer, pour te pousser à les insulter, puis après il te signale à... Et après il te signale à... Je sais pas qui, pour dire parce que des propos injurieux. Ah ouais, bah...
L'attitude de certains, c'est quand même triste. C'est quand même triste. C'est triste. Le pire, c'est que si nous, Français, on bloque un ou une arabe sur Periscope, on va être catalogué de raciste. Mais le problème, c'est que eux, non. Eux, non, ils sont pas catalogués de raciste. Ah bon? Bon, je veux bien que la fille par rapport à moi, bon, physiquement, voilà, physiquement, c'est vrai qu'elle était bien foutue, mais bon. Enfin, je peux pas être méchant avec elle, mais bon. C'est pas le physique qui fait la personne, hein. Ah mais les mecs il peut être le mec il peut être il peut avoir le physique de Ricky Martin et puis être un con hein. C'est pas le physique qui fait la personne hein. Il peut même avoir le corps de avoir le corps de Brad Pitt ou Tom Cruise Ça, le problème c'est que sur Periscope ça ils ont pas ils prennent pas conscience de ça ils prennent pas conscience de ça. Je vais essayer son truc là de parler comme il a voulu c'est parler là en... Si je vois que c'est un con et puis que il se fout de ma gueule et qui préfère se foutre de ma gueule en parlant que par écrit. Moi après tout hein, sur Periscope on me bloque pour un oui pour un non. On me bloque je sais pas pourquoi. S'il préfère se foutre de ma gueule en parlant
et qui peuvent pas le faire en écrivant, bah les mecs, hein. S'il faut que j'en bloque quelques-uns, j'en bloquerai, hein. Pas grave. Après tout, à moi, on bloque, hein. Bah, je bloque aussi, hein. Je bloque aussi, hein. Après tout, y a pas de raison, hein. Y a pas de raison. Tu me bloques, je te bloque, hein. Je pense que dire que je parle à tout le monde, je pense que je vais le dire par la voix, pas par écrit. Parce que j'estime que là, ils ont pas... Eh merde. Non, j'estime qu'ils ont pas... J'estime que comment ils se sont comportés avec moi, c'est pas... Si vraiment le fait de parler, c'est pour se foutre de ma gueule, pas la peine, quoi. Je le dis clairement, pas la peine. Pas la peine. Pas la peine.
Bon allez, je fais ça, je fais encore une partie de ça et puis après j'arrête. Bon, allez, j'arrête là. J'arrête là. Il se tient en plus, 10. Allez, j'arrête là.